Salut tout le monde, c'est Namsty, aujourd'hui on se trouve sur Tower of Hell. Voilà, on est sur le jeu qui est juste là, ça fait super plaisir pour de vrai. Donc Tower of Hell, c'est un jeu de rage en fait, tout simplement. En fait, en gros, on rage et donc voilà quoi. C'est ça qui est ça en fait, tout simplement. Donc voilà, on est sur la game, hein, comme vous pouvez le voir avec mon skin. Donc pour ceux qui savent pas, Tower of Hell, c'est un jeu en fait où il y a des parcours à faire et on doit réussir tous ces parcours sans checkpoint. Et le checkpoint, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Je pense que vous le savez, hein, voilà. Mais les checkpoints, ce sont des endroits en fait où vous allez et en gros quand vous mourrez dans le parcours, vous réapparaissez à cet endroit. En gros, il n'y a pas de ça ici. Enfin, pas dans ce jeu. Et il y a 70 000 joueurs en ce moment qui jouent parce qu'il y a énormément de joueurs qui aiment rager. Pour de vrai, ouais. ouais. Donc voilà, nous on va y aller tout de suite. C'est parti. Donc on est aussi en compagnie de YAK238. Voilà, il est avec nous. Salut Sagi. Bon, let's go. Bah, ça vient juste de commencer un autre parcours et donc nous on y va, hein, c'est parti. Donc ici, bah ça a l'air plutôt facile, hein, pour de vrai. Comme vous le savez, sûrement, je connais déjà ce jeu, hein, voilà. J'ai déjà pas mal joué pour de vrai, je suis niveau 9. J'ai pas énormément joué non plus, j'ai pas tryhard, mais j'y ai quand même un peu joué. Voilà, je le connais quoi. Donc après, bah là il y a un sort de parcours. Oh, il a failli m'avoir là ce piège. Oh les pièges. Non, Pourquoi le piège, tu me fais ça à moi? Mais non, c'est pas possible. Bon, let's go, nous on va y aller. Et du coup, voilà, comme vous le savez, voilà, c'est ça la particularité de ce parcours, c'est que dès qu'on tombe, on est obligé de tout remonter étape par étape. Ici, il y a, on peut le voir à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étapes avant d'arriver tout en haut. Vous pouvez le voir aussi, comme ça. Ça fait super plaisir à voir. Bon, après ça c'est pas le pire, hein, parce que il y a aussi la version pro. Donc la version pro, c'est il y a environ, je dirais, 10 étages, hein, voilà. Non, mais pas 10 étages, 20 étages. Ouais, carrément 20 étages. Il y a 20 étages, sérieusement. Mais non, mais ils sont allés un peu trop loin pour de vrai. Ouais, ils sont un peu trop chauds pour de vrai. Les développeurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on crève ou quoi? Donc là, c'est mon pire ennemi. Ok, voilà. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aussi activer dans les paramètres la touche vert rue. Bon, du coup, c'est plus simple. Mais sur téléphone, je ne sais pas trop. Sur Xbox aussi, je pense que vous pouvez. En gros, vous avez juste à aller dans les paramètres. On doit juste le mettre sur marche. Et après, vous appuyez sur mage. Et voilà quoi. Vous pouvez vous tourner sans avoir besoin de vers clic droit. Voilà. Tout simplement. Donc, nous, on va y aller. C'est parti. Oh non, j'aurais dû activer le vert rue. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. On y va. Ah, enfin, yes, j'ai réussi. Ah, ça fait plaisir pour de vrai, ça. Donc, wow. C'est quoi cette étape? Ok, on n'a pas touché l'orange. Pas l'orange feu de haut, du moins. On va y aller. Wow. Allez, on peut le faire. Ah, cette étape, elle était plutôt facile par rapport à l'autre, là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on est ici, on est à l'avant-dernière étape. Mais non, sérieux, mais c'est super grand, en fait. Mais c'est ultra grand, ils sont abusés. Je dis ça, je dis rien. Ah là là, ah, on doit faire quoi là? Ah, on doit pas toucher le truc, mais non, c'est trop chaud. C'est trop chaud, wow. Ah, j'ai dit c'est trop chaud et j'ai réussi. Oh mon dieu. Non. Ok, ça passe à travers. Bon, j'ai eu peur, hein, pour de vrai. Ah, et là, on devra sauter. Si c'est là. Voilà, comme ça. Waouh. Oh, ça fait super peur, hein, pour de vrai, parce que si on meurt à cause de ça, c'est pas chaud. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas chaud. Voilà, Namsty, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis c'est pas chaud alors que... Bah, fallait dire c'est pas ouf, hein, tout simplement. Encore. Waouh. Waouh. Est-ce que ça vient jusqu'à là? Ah, c'est bon, ça vient pas jusqu'à là. Non, mais si ça vient jusqu'à là, mais les gars, c'est trop abusé. On est d'accord, là. Oh, waouh, waouh, oh, l'esquive de malade Namsty. Oh, c'était quoi, ça? Oh, non. Waouh. Oh, c'était super chaud, là. Ok, bon. Là, on doit faire quoi? Mais quoi, sérieux? Mais sérieux, on doit sauter comme ça? Non, c'est pas possible. Mais what? Mais comment tu veux que je te fasse ça? Mais mec. Ah, voilà. J'ai réussi. Je suis en train de galérer à faire ça. Oh. Il y a des lasers, les gars. Oh non, il y a un tapis roulant. Et... Mais c'est juste la dernière étape. Allez, on peut le faire, les gars. Oh. On peut le faire. Donc, c'est parti. Ah, ça fait une petite illusion. Oh, c'est incroyable. Oh, oui, oui, j'ai réussi. Oh mon dieu, j'ai réussi. Oh, ça fait super plaisir, les gars, j'ai enfin réussi à réussir. Tower of Hell. Et bon, c'est pas tout, hein, parce que de toute façon, on a juste à aller là-bas. Voilà. Après, voilà. La porte du paradis s'ouvre à moi. C'est bon, je suis rentré. Mais non, pourquoi tu veux pas que je rentre là-dedans? Mais non, pourquoi? Pourquoi? Quoi? C'est qui toque? Ah ouais, ouais non, j'ai pas envie d'y entrer tout à coup là. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou là. Donc voilà, du coup c'est fois de time. Quand on touche la porte, ça fait fois de time. Et donc voilà, le temps elle passe 2 fois plus vite. Pour vous c'est avantageux, car vous n'avez pas à attendre jusqu'à la fin de la game sans faire fois 2. Voilà. Du coup, quand il y a de plus en plus de gens qui réussissent, bah ça multiplie de plus en plus. Genre il est un deuxième winner, ça multiplie par 4. Et après par 8, après par 16, après par 32. Et du coup plus personne ne peut réussir. Ouais voilà, tout simplement. Donc c'est bon, ça a recommencé. Et là j'ai reçu quelques petits trucs. Bon, pour le vrai j'ai reçu un peu d'XP, parce que je suis niveau 9, je peux pas recevoir énormément d'XP hein, non plus. Voilà quoi. Après j'ai aussi reçu des points. Voilà, les points ça sert à quoi? Ça sert à faire la haute vitesse et tout, des trucs comme ça quoi. Et aussi acheter des sortes d'engrenages. Voilà, en gros ça c'est la bobine de speed. Voilà, tu peux aller plus rapidement avec ça. Avec ça bah tu peux sauter plus haut. Et avec ça tu peux aller plus rapidement et sauter plus haut en même temps. Voilà quoi, c'est super chaud. Mais bon, donc vous pouvez voir ici aussi, quand on clique sur niveau, on peut les améliorer. Mais c'est trop cool ça, pour de vrai. Mais regardez, bon moi j'ai amélioré la bobine de speed et de saut en fait. Voilà, tout simplement. One eternity later. Mais non, sérieux. Bon, vous savez quoi, nous on va tout simplement aller au Pro Towers, parce que ouais non, on est chaud hein, nous. On est chaud pour de vrai, du coup let's go. Ça me tente plus trop hein, tout à coup. Regardez, regardez le nombre des niveaux. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon je rigole, on a 12. On va pas abuser. Bon je pensais qu'il en avait 20 pour de vrai, mais tant mieux pour de vrai. S'il y en a 12, voilà. Ça permet de gagner plus d'XP et aussi bah de gagner du coup des points quoi. Plus de points. Je pense qu'on gagne 200 points quand on gagne, et dans l'autre on gagne 100 points. Ou soit on gagne 300 peut-être. C'est possible hein, pour de vrai. Je n'en sais un peu trop rien pour de vrai. Je veux pas vous mentir. Non, on y va tranquille relax. Mais bon, je dis ça mais c'est pas tranquille relax. Ah si, finalement c'est tranquille relax. Je n'ai rien dit les Jean-Michel. Les Jean-Michel, je vais vous rattraper. Ah oui mais il est plus long que ce que j'imaginais moi. Ok, bon, on y va. Oh mais non, ça tourne. Mais non, sérieux. C'est pas trop grave. On devrait, on peut réussir même quand ça tourne. Voilà mon gars. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça mec. Ah là là, donc, ok, ici on doit sauter dessus, c'est ça? On doit aussi un peu avancer en même temps. Oh, sinon, ça nous fait tomber, je ne sais pas pourquoi. Regardez, je glisse. Je glisse. Je glisse dessus. Là on n'a pas besoin d'avancer, on est d'accord. Non, 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 non. Wesh. Oh, oh mais j'ai cru que ça pouvait m'avoir en fait. Mais non, pas du tout. Mais attendez, mais c'est ultra chaud ça. Mais non, mais quoi? Mais c'est quoi cette voiture de course? Mais attendez. C'est impossible en fait. C'est ça la blague. C'est que c'est impossible en fait. Oh, oh, mais quoi? J'ai dit que c'était impossible, j'ai réussi. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Donc je sais à quel... Oh, je sais juste à là. Mais non mais sérieux. Je sais pas super loin. Voilà, on y va. Bon ça c'était plus facile que ce que j'imaginais avant, pour de vrai. Ça avait l'air tellement difficile avant. Let's go, on y va. Oh mais c'est quoi ça? Ok, ça bouge, ça bouge. Il faut faire attention. Il faut atterrir au milieu et après sauter. Ok, je vois. Bon, on avait le choix entre ça et ça. On va pas se mentir. Je regarde quand même les lignes. Oh non, mais non, il reste qu'une minute. Non. Bon, je pense pas que je vais réussir. Mais en tout cas, je vais gagner pas mal d'argent. Enfin, de points. Voilà quoi. On y va, c'est parti. Moi, je vais aller là, là. Ah, mais il y a vraiment personne qui a réussi. Ouais, on dirait bien qu'il y a personne qui a réussi. Est-ce qu'on gagne quand même des XP? Voilà, je suis aux moitiés hein, de mon niveau, on est d'accord. Ok. Wesh. C'est quoi cette sorcellerie? Mais bon, c'est bon, cette sorcellerie était pas très puissante, on va dire. Je me suis trop précipité. Je suis mort. Mais bon, de toute façon, je vais quand même gagner les 111 points parce que, en fait, ça sauvegarde au dernier endroit où tu étais. Et en fait, de plus en plus tu montes, de plus en plus tu gagnes de points. Et en gros, quand t'es tout en haut, je pense que on devrait gagner 250 points, voilà, un truc comme ça. Donc, est-ce que les XP ils montent? Ça, c'est une bonne question. Même si on gagne pas, est-ce que les XP ils montent? Ou soit on gagne juste des points? Ah ouais, les XP elles montent quand même. Ah ouais, ok, mais je savais pas. Bah tant mieux pour de vrai. Et bon bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Voilà, n'hésitez pas à partager au max pour la régie du Noob Tower. Ça fait super plaisir. Et sur ça, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde et peace.